Merveilleux Jésus. Père, nous te louons, mon Dieu, nous te remercions, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes heureux ce matin? Que Dieu soit loué. L'aimez-vous? Amen. Amen. Will you serve him? Allez-vous le servir? Amen. Amen. Wonderful. Merveilleux. That's wonderful. C'est merveilleux. C'est avec cette sorte de croyants que je vais être dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. My. We appreciate Sister Damaris and brother. Nous apprécions Sœur Damaris, mes frères Antonio, Fernando. Amen. Amen. Gloire à Dieu. What a voice. Quelle voix. Voice. Praise God. We appreciate you. Nous apprécions Sœur Damaris, brother Fernando, mes frères Fernando, Sœur Trish. Vous appréciez ses remarques. Je l'apprécie certainement. Merci, Sœur Trish. Merveilleux, merveilleux, merveilleuses paroles de Jésus. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. J'apprécie ses remarques. Il n'y a rien de tel que d'encourager quelqu'un le long du chemin. Fatigué dans le voyage, le diable vous attaque. Et c'est merveilleux de voir un saint de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est comme la rosée sur le mont Hermon qui descend sur la barbe jusqu'aux extrémités du vêtement, le corps du Seigneur. Frère Branham, dites quelque chose de gentil, de bon. Bénissez votre frère, bénissez votre sœur. Et je sais que j'en ai certainement besoin aujourd'hui. Une telle bataille hier soir avec le diable. Je pensais que j'allais avoir une attaque et tout. J'ai prié, je ne pouvais pas m'endormir. Ce que je dois faire ici. Gloire à Dieu. Merci, c'est mon sort. Et je ne ferai pas marche arrière. Je ne ferai pas marche arrière. Si je dois partir, que je parte ici, par terre, dans la maison du Seigneur, directement dans les bras de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Well, I better. Sister Trish, you sang about the presence of God. Sœur Trish, tu as chanté au sujet de la présence de Dieu. Voilà ce qu'il en est de mon message, la présence de Dieu. Amen. So now I greeted you last night. Je vous ai salué hier soir. I haven't seen you this morning. I greet you again. Si je ne vous ai pas vu ce matin, je vous salue à nouveau. Je n'ai pas beaucoup de force. J'essaie de la garder. Je dois tirer certaines choses dont je vais en parler la semaine prochaine. C'est Saint Jean 14, 12. J'invite votre attention aux Écritures. Et Saint Jean 20, 19 à 23. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Saint Jean 14, 12. Frère Coleman, nous lisons ça sans cesse, je sais. Je continue de le lire jusqu'à ce que ce soit manifesté. C'est ma promesse, frère. Oui.
Mon Dieu. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do, because I go to my Father. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Il a dit, vous allez faire de plus grandes œuvres parce que je vais m'en aller. Amen. Saint Jean 20. Je vais dire beaucoup de choses. Je ne dois rien retenir. Je suis dans la maison de mes amis. Comme le président Roosevelt disait, vous êtes mes amis. Frère Coleman, vous retournez en arrière, n'est-ce pas? Oui, je retourne en arrière. Saint Jean 20, 19. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étaient enfermées, Jésus vint et s'était au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Then said Jesus unto them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. Jésus donc leur dit encore, Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vais parler dans mon message du verset 21, 22, 23. And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Verse 23, Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. Et 1 Thessaloniciens 4. Nous allons relier ça au message de Frère Robledo hier soir. 4:16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Alors nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Si vous vous sentez triste dans ces temps difficiles, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Ne vous inquiétez pas de l'autre côté. Inquiétez-vous de s'en aller d'ici. Amen. Shall we bow our heads in a word of prayer? Courbons la tête dans un mot de prière. Gracious God, notre bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour le prophète Malachi 4. Nous te remercions pour son message de révélation, pour nous montrer nos promesses, pour nous montrer le chemin. Comment sortir d'ici, Seigneur? Nous te remercions, Seigneur, pour ceci. Nous te remercions pour le ministère ici, à New York, et les croyants ici, et les croyants à New York, et les diacres, et les huissiers, et tous ceux qui aident. Et mon frère ici, frère José, ouais le Seigneur, ouais moi Père, gloire à Dieu. Et maintenant Seigneur Dieu, bénis la lecture de la parole dans les cœurs des croyants,
Bénis-les. Et que le Saint-Esprit se déverse sur la parole. Et qu'il y ait un puissant déversement. Où les croyants pourront être scellés et guéris et remplis. Dieu Tout-Puissant, nous remettons la réunion entre tes mains. Nous prions et demandons cette bénédiction dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, pouvez-vous asseoir. Eh bien, gloire à Dieu, tout le monde se sent bien. Merveilleux. Frère Steve, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le titre. Mon sujet, la deuxième identification de la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4:16. Je vais relier ça avec le message de Frère Robledo hier soir. Ce doit être identifié. La deuxième identification de la venue du Seigneur, ça doit être identifié. Donc aujourd'hui, j'essaie de l'identifier. Amen. Parce que vous savez ce que c'est. Ok. Pouvez-vous vous asseoir. Ainsi, les amis, je sais que vous croyez dans le ministère de l'écho. Et tout ce que nous pouvons dire hier soir, c'est que c'est Dieu qui parlait. Donc je veux dire ceci. Les amis, les temps apostoliques sont sur le point de commencer à New York et en Pennsylvanie. Ah oui! Ah oui! Amen, frère Paul. C'est juste. Pourquoi croyez-vous que j'ai lutté toutes ces années? Je suis ici pour les temps apostoliques, Malachi 4. Je restaurerai là où c'était au commencement. Voilà pourquoi je suis ici. Amen, docteur. Gloire à Dieu. Je vais partager quelque chose avec vous. Vous savez, ceci, c'est l'écho. Et beaucoup de ministres ne comprennent pas pourquoi je dois lire toutes les citations. Vous ne pouvez pas leur dire. C'est un écho. C'est quand l'onction est là, ça vient. Dans Jéhovah Jireh, Long Beach, Californie, 1961. Nous essayons d'attraper ceux qui veulent venir. Est-ce que vous voulez venir? Car nous croyons que ceci est l'appel de la 11e heure. Êtes-vous un ouvrier de la 11e heure? Amen. En voilà un ici. Gloire à Dieu. Oui. Le cri de minuit est sur le point d'être donné. La science dit qu'on est à moins de 3 minutes avant minuit, où le monde entier va éclater en morceaux. Vous inquiétez encore du monde? Eh bien, l'Amérique ne sera même pas là, de toute manière. Croyez-vous la septième vision? Alors, l'Amérique ne sera pas là. C'est juste. Voilà là. Mon inspiration, l'appel à la résurrection. L'appel, alors que vous regardez dans le monde, est presque terminé. Si c'est ainsi, alors nous devons avancer dans une autre saison, un autre temps. Je vais en parler aujourd'hui. 1974. Voici la brochure. Et à l'extérieur, le 15 juin 1974, le temps est court. Des notes de moisson, le sept tonnerre, l'appel à la résurrection. Je vais partager ça avec vous. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde. Très bien.
Méditation, j'aime cela. Le 15 juin, samedi matin, Écriture. 1 Corinthiens 7, 29. Qu'a-t-il dit là? Pour le citer exactement. 1 Corinthiens 7, 29. Il parlait de mari et femme, de mariage et divorce. Mais je vous dis ceci, les frères, le temps est court, et que ceux qui ont des épouses soient comme n'en ayant pas. Maintenant, vous devez comprendre que le Saint-Esprit peut prendre n'importe quelle écriture et la oindre et la faire sortir dans l'Ancien Testament. Il est mort, ressuscité là depuis 69, 70, 71. Il peut prendre n'importe quelle écriture, c'est sa parole. J'espère que vous comprenez ça. Gloire à Dieu. C'était juste après qu'il ait révélé l'affection fraternelle. C'était le samedi suivant. Et je méditais. Et je pensais à aller en Géorgie. Et alors le Saint-Esprit a parlé ces paroles. Mon fils, je te parle maintenant. Je viens de te vivifier par mon esprit. La saison dans laquelle tu entres maintenant, c'est la saison de la moisson. Place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le champ de blé. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, 26 à 31. Est-ce correct? S'il n'y avait pas l'inspiration de sept tonnerres, qu'arriverait-il au blé? Pensez-y. 1974. Eh bien, il semble que vous ayez été moissonné. 28 ans, et vous voilà. Voilà là. Merci Seigneur d'être élu. Vous vous asseoir. La résurrection est proche. La deuxième venue de Christ est ici. Il viendra une onction sur toi pour vivifier à mon peuple en réalité que le temps est court. Maintenant, vous comprenez mon ministère? Vous comprenez pourquoi les rayons? Allons, entrez là, gloire à Dieu. C'est une onction, ce n'est pas moi. Si c'était moi, je dirais, allons, allez-y, entrez, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Ça ne vous fait rien si j'ai un peu de sens de l'humour. Frère Paul n'en revient pas. Je peux être haut quelque part et puis arriver brutalement. Si vous comprenez l'urgence, pourquoi je parle et je fais les choses que je fais, voilà pourquoi. Tu prêcheras ma parole en puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera la venue du Seigneur. C'est ma voix qui parlera. La voix de l'archange interprétant sa propre parole, confirmée par des signes, prodiges et miracles. Ils n'entendront pas seulement la vérité, la véritable révélation, mais ils verront l'expression de la vérité à travers ton corps. Cette onction est maintenant sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu proclameras ma parole. Et voici l'onction ici, avec une telle urgence que les gens sauront que ce n'est pas toi, mais mon esprit qui leur vivifie cette révélation.
Il y a une sœur au Connecticut qui a eu un songe, sœur Connie LaRue, et il fait référence au songe où Christ est venu là parmi les gens. Il a dit, allez là, il dirigeait tout le monde. Où aller? Voilà pourquoi j'ai parlé sur les dons hier soir, avec le corps. Donc voilà ce qu'il dit au sujet du songe. Je descendrai et j'apporterai cette révélation personnellement à mon épouse, alors que tu prêcheras ma parole. Voilà ce que je vous ai dit hier soir. Amen. Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Cette révélation, je descendrai et j'apporterai cette révélation personnellement à mon épouse alors que tu prêcheras ma parole. Et elle se préparera par révélation pour être prête pour l'appel à la résurrection, qui est un autre appel un peu plus tard. Est-ce que c'est le temps, messieurs? Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire à Dieu. Cet appel viendra comme un avertissement. Quel appel? Depuis 28 ans. Cette année dans la foi, un avertissement. Ils ne doivent pas venir. Ce n'est que moi qui parle. Amen. Ils font ce qu'ils veulent, frère Luc, c'est OK. Mais voilà ce que je dois faire. Ne me retenez pas. Amen, Gabi. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant, cet appel viendra comme un avertissement. 1. L'appel de Malachi 4. 2. L'appel de l'épouse. 3. L'appel à la résurrection. La voix fait les trois. La voix fait les trois. 2 et 3 sont le même appel fait par la voix de l'archange. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 22, 17 sur elle. Quiconque veut qu'il vienne. Mon fils, je t'ai révélé ces choses par mon esprit afin que tu saches que cette heure-là est sur toi maintenant. Afin qu'également tu ne sois pas pris par surprise. Maintenant, pensez-y, nous ne sommes pas pris par surprise, mais les autres le seront. Mais ils vous aiment tellement. Oh, est-ce que ça ne suffit pas pour louer le Seigneur? Gloire à Dieu. D'oublier le négatif, d'éliminer le négatif et d'accentuer le positif. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas pris par surprise, en fait, vous l'attendez et vous disiez, vous dites, oui, viens, Seigneur Jésus. Vous ne serez pas pris par surprise. Tu sortiras et tu proclameras, le temps est court. Il y a davantage, mais je pense que ça suffit maintenant. Amen. I like you on that front row, brother. Ah, je vous aime là devant, frère. Oui. Je sens les vibrations. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Okay, now Saint-Marc 16, 20. La commission, la dernière commission était de Saint-Marc 16. Et j'apporte ici le verset 20. J'allais lire au sujet des anges, mais je n'ai pas le temps. Et il s'en allait, il prêchait partout, gloire à Dieu. Amen. Okay, now Saint-Marc 16, 20. Saint-Marc 16, 20. La dernière commission était Saint-Marc 16. Donc le verset 20. Et ils s'en allaient. Ils prêchaient partout. Le Seigneur collaborant avec eux, confirmant la parole, avec des signes qui suivent. Amen. Ainsi, les esprits administrateurs, j'en ai déjà parlé. Je veux que vous remarquiez ceci.
Dans Persévérance, Jeffersonville 62, la dernière commission, ou les dernières paroles qui sont tombées de ses lèvres quand il est monté, jusqu'à ce qu'il revienne, avec un cri, la voix de l'archange. Vous comprenez maintenant? La dernière chose, la dernière commission devait suffire jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau avec un cri, la voix de l'archange, parce que la voix fait les trois. Donc ça veut dire que nous sommes censés être ici jusqu'à ce que le cri, jusqu'à la voix de l'archange et la voix de l'archange. Nous sommes censés accomplir la dernière commission, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts et faire les plus grandes œuvres, transmettre la vie éternelle. Merveilleux. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merveilleux. Une audience formidable. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'enlèvement, frère Robledo en a parlé hier soir. Page 27. Je veux que vous remarquiez quelque chose de grand s'est passé. Ne le manquez pas. La parole dit ici dans Thessaloniciens trois choses. Du verset 13 à 16, il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur n'apparaisse. La première chose, remarquez, un cri, une voix, une trompette. Trois choses sont arrivées. Une voix, un cri, une voix, une trompette. Ça doit se passer avant l'apparition de Jésus. Maintenant, un cri. Regardez ce qu'il dit. Jésus fait les trois alors qu'il descend. Un cri. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui sort premièrement. Le pain vivant, le pain de vie qui produit l'épouse. Allez à la rencontre de l'époux. Vous y voilà. Vous préparez. Vous pouvez vous asseoir. Un petit témoignage ici. En 1965, en décembre, tout était mort. Lorsque Frère Branham a eu l'accident, j'ai téléphoné à deux ministres à Yuma, en Arizona, et je leur ai demandé qu'en était-il de la bande de l'enlèvement. Et un grand docteur a dit, Bill a dit, oh mon Dieu, Bill a dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, la voix, etc. J'ai dit, quoi? C'était en décembre. J'ai dit, il est déjà venu. J'ai téléphoné à l'autre, à l'ouest. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Joe, Frère Branham a dit, une voix et un cri, une voix et une trompette. Et il est déjà venu. Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. De quoi parle-t-il? Amen. Voilà comment ça vient. Amen. Alors, le 26 décembre, dimanche matin, qu'est-ce que je vais dire aux gens, Seigneur? Dis-leur tout ce que Frère Perry t'a dit au sujet de l'accident, ce qui est arrivé. Et ils seront là, à moitié morts. Ensuite, dis-leur, sortez de là, le cri du roi est dans le camp. Amen. Voilà comment c'est venu. Et je ne me suis pas arrêté depuis. Un demi pâté de maison, là. Le cri du roi, l'époux vient. Amen. Vous êtes saisi maintenant? Vous pouvez vous asseoir. La première chose, quand il commence à descendre du ciel, c'est un cri. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Un message sort premièrement.
Le temps de nettoyer. Nettoyez les lampes. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième. Pas la sixième, la septième. Voici l'époux vient. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Savez-vous ce qui va arriver? Amen. Savez-vous? Le Saint-Esprit est prêt à descendre pour faire quoi? Pour nettoyer vos lampes. That happens, it just comes fresh. Oh, c'est venu fraîchement, ok. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Amen that. Amen that. Okay. Praise God. So you've got to make it alive to you. Oui, vous devez rendre cela vivant. Il vient juste de me le vivifier. Il m'a dit de vous dire cela. Et certaines ont trouvé qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Et voilà pourquoi vous êtes ici. Pour avoir de l'huile dans votre lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, je te prie. C'est le temps de nettoyer les lampes. Ce n'est pas le temps de faire n'importe quoi, c'est le temps de nettoyer les lampes. Nous y entrons, là, à Bethléem. Amen. Gloire. Très bien. C'est le temps de nettoyer les lampes. C'est le temps de Malachi 4. Lorsque vous arrivez là, c'est Saint-Luc 17. Toutes ces prophéties peuvent être mises parfaitement en ordre pour ce jour, dans les Écritures. Nous le voyons vivre ici même. Et ils disent que Frère Branham doit revenir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est déjà venu. J'ai une question. Le baptême de Jean, est-il du ciel ou des hommes? Les pharisiens qui essayent de comprendre. Tout le monde savent au sujet du ciel, oui. Les hommes savent que Jean était un prophète. Nous ne pouvons pas répondre parce que sinon nous mettons son autorité en question. Si vous ne pouvez pas répondre à ceci, moi non plus je ne peux pas vous répondre. Ainsi je dis, Malachi 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse 10, est-ce que cela a restauré la foi ou bien doit-il revenir et le faire à nouveau? Ils mettent mon autorité en question, je leur pose une question. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Ainsi maintenant, il y a trois phases de la venue du Seigneur. Et je viens d'en parler. Maintenant, Malachi 4, Saint-Luc 17, 30, Apocalypse 10, était la manifestation de la première identification de la venue du Seigneur. Remarquons trois choses que Malachi 4 a faites. Numéro 1. Malachi 4 a restauré la foi originelle que la première épouse Alpha avait. Numéro 2. Il a présenté le Messie. Numéro 3. Il a révélé tous les mystères cachés dans la parole par son message des sept sceaux. Et les sept tonnerres sous le septième sceau sont connectés à la venue du Seigneur. Le cri, la voix, la trompette de Dieu. Et vous êtes dans la venue du Seigneur. N'êtes-vous pas heureux? Alléluia, gloire à Dieu. Ok. Vous avez saisi maintenant? Saint-Luc 17, 30 a révélé la présence de Jésus-Christ à son épouse. C'est à ce sujet que Sœur Trish chantait. Dans le grec et tout cela, ça s'appelle la parousie. Nous ne prêchons pas la parousie maintenant. Deux âmes, non pas ces choses-là. Mais dans le lieu d'adoration pourvu par Dieu, en Californie, mais il a promis, juste avant la venue de la fin du temps, que le monde serait comme Sodome. Lorsqu'un homme est venu sous une forme humaine, trois, deux anges et Dieu lui-même, c'était Dieu. La Bible le dit.
Il est descendu et il s'est manifesté en tournant le dos à la tente où se trouvait Sarah. Et il a dit à Abraham ce que Sarah pensait dans la tente. Est-ce correct? Jésus lui-même a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, autrement dit, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même, l'Église passera par la justification, Luther, sanctification, Wesley, le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, et vous êtes maintenant ici même. Voilà, vous arrivez pour grandir jusqu'à la perfection du Fils de l'homme. C'est le temps de nettoyer les lampes. Amen. Là où le mari et la femme seront les mêmes personnes. Dieu, tellement manifesté dans son épouse, son Église, où les deux seront la même personne, ils sont un. Voyez-vous, nous en sommes? Voyez-vous, nous en sommes? Vous comprenez la présence du Seigneur maintenant? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous serons la même personne. Ça devrait être. Jésus-Christ lui-même, il fait les trois. Il devrait être dans cette épouse avant la résurrection. Saisissez cela. Et vous n'avez pas besoin d'être à Bethléem, à Richmond Hill. Vous devez être dans la parole. Amen. Amen. Et alors vous allez grandir dans la perfection du Fils de l'homme lorsque le mari et la femme seront le même. Dieu est tellement manifesté en vous. Oh là là. Amen, frère Paul. Oui. Ça vaut la peine de vivre pour cela, d'avoir faim, de presser le pas. Amen. Et comptez tout le reste comme n'étant pas autre que cette promesse manifestée en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. En d'autres mots, cette épouse Oméga sera restaurée directement au ministère de Jésus-Christ qui était dans l'épouse Alpha le jour de la Pentecôte. L'épouse Alpha primitive a manifesté la même vie, le même esprit, les mêmes signes, prodiges, miracles, et ils sont sortis comme des messiettes. Ils devaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Voilà ce dont je parle. Voilà ce qui va vous arriver à vous, à vous, à vous. Ainsi, soyez encouragés. Ayez foi. Ne doutez pas. Ne regardez pas la chair. Regardez la promesse. Regardez au calvaire. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frère Bobby. Ne te regarde pas toi-même. Oublie-toi toi-même. C'est cette semence en toi, frère. Amen. Gloire. Amen. Amen. Maybe see. Hey. Glory. Hey. Amen, brother Davy. Amen. Amen, frère. Glory. Gloire. Praise God. Okay. Actes 5, 12 à 16. Sœur Trish, la présence, l'ombre de Jésus-Christ sera sur le ministre, sur les gens. L'ombre sera là. La présence sera là. Lorsqu'ils ne peuvent pas vous atteindre là, vous serez guéri dans son ombre. Amen, frère Omar. Amen. Glory. Okay. Maybe seated. Oh, amen. Amen. Pomerium, locust, le ver, la locuste, la chenille. 1959, écoutez ici attentivement.
The ever presence, la présence continue du Dieu vivant est la ligne de vie de toute église. Et la ligne de vie de cette tonnerre vous a gardé en vie. Ce n'est pas un homme, c'est la présence de la parole, du sang. Amen, frère Reggie. Amen. Vous asseoir. La présence constante du Dieu vivant est la ligne de vie de n'importe quelle église ou de n'importe quel groupe de gens. La présence du Dieu vivant pour accomplir, pour agir, pour faire, pour vivre, pour agir avec les gens comme il l'a fait au commencement. Voilà ce dont je parle. Ça leur est arrivé? Ça va vous arriver? Je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Comme un arbre planté près des courants d'eau du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Glory. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Just maybe seated, like he did at the beginning. Comme il a fait au commencement. Maintenant, si la présence du Dieu vivant a apporté une Pentecôte avec puissance, avec des signes, des prodiges, des gens remplis de la gloire de Dieu, au point où ils poussaient des cris, ils parlaient en d'autres langues, et qu'ils sont partis, et qu'ils furent martyrisés pour la foi, alors luttons ardemment pour cette foi-là, jusqu'à ce que la mort nous libère. Luttez ardemment pour cela. Nous ne ferons pas de compromis en lisant des livres, des théologies d'hommes. Nous ne ferons pas de compromis avec des credos, des livres de prière ou quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Qu'est-ce que vous avez fait, frère Coleman, depuis 1966? J'ai lutté pour la foi restaurée par Malachi 4. J'ai lutté ardemment. Taisez-vous. Le prophète a dit, restez tranquille. Le prophète a dit, Amen. Les sept tonnerres donnent la foi. Oh, je pense que le Seigneur m'a dit. Non, le Seigneur ne vous a rien dit, gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit, gloire à Dieu? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, hallelujah, glory. Hallelujah, gloire. So that's what I've been doing. Voilà ce que j'ai fait. Vous voulez savoir, frère Paul, ce que j'ai fait? J'ai lutté. Regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Lutter ardemment. Pour maintenir la foi restaurée par Malachi 4. La maintenir par une révélation des sept tonnerres. Alléluia. Yes, sir. Si, Seigneur. Oh, hallelujah. Maybe seated. Puis vous asseoir. Glory. Gloire. Vous comprenez le ministère maintenant? Par un écho. Shut up, the prophet. Taisez-vous, le prophète a dit. Donnez un écho direct. Pourquoi? Pour arriver à ceci. Schuylkill, le comté Schuylkill, c'est ça? Vous ne pensiez pas que vous allez arriver là, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a dit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Praise God. And my friends out here, over here. Et mes amis ici, les Rissler, les Hess, Bontrager et tous, vous y voilà aujourd'hui. Dieu l'a dit. Amen. 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 Mes amis de Porto Rico, Orlando, West Palm Beach, c'est Dieu qui vous a amené ici, c'est Dieu qui vous a mis là. Et personne ne peut vous ébranler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux. Amen. Praise God. Oh, wonderful.
What an audience, eh? Quelle audience! Alive unto God. Vivant pour Dieu! Les pierres vivantes! Amen, brother Jacob. Amen, frère Jacob! Yes, sir. Si, Seigneur. Oh, hallelujah, alléluia! God be praised, God que be Dieu praised. Soit loué! Que Dieu soit loué! Thank you, Lord. Gracias, merci, Seigneur! Amen. Amen. Amen, brother Pete. So we are here by the purpose of God, brother. Ainsi, nous sommes ici par le but de Dieu, frère. Michée le prophète, 1961, il fut dit à Jude, il fut commandé de lutter ardemment pour la foi, pas une fois, la foi, délivrée une fois pour tout au saint. C'est juste. Pas lutter pour une fois, la foi qui a été délivrée. Maintenant, regardez. Et quand vous avez cette foi-là, et c'est sur le point d'arriver maintenant, d'être manifesté, lorsque vous l'aurez, Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui ont cette foi-là. Ah. Alors regardez les cas difficiles disparaître. Regardez les infirmes marcher, les aveugles voir, les morts ressusciter. Amen, brother Gabby. Amen, frère Gabby. Okay, maybe see. Puis vous asseoir. Only one way provided by God, Chicago. Un seul chemin pourvu par Dieu, Chicago, en 1963. Il a aussi promis qu'il y aurait une restauration de la foi. Dans Jude, lutter ardemment pour la foi, délivré aux saints. Nous avons la promesse dans Malachie 4, par le même système, comme il a toujours fait, que nous serions restaurés à la foi originelle. Maintenant, regardez. De retour à la semence originelle, de retour à la semence, comme au jour de la Pentecôte. Qui est la semence? Jésus-Christ. Amen. De retour à la même doctrine, parole pour parole, puissance pour puissance, par la même chose, exactement comme au commencement, par des signes et prodiges de la présence vivante de Jésus-Christ, la présence. Après 2000 ans, il est toujours vivant. Et il est le même hier, et aujourd'hui, et pour toujours. Gloire à Dieu, Amen. Ainsi, gloire à Dieu. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'était le secret du ministère des apôtres dans l'Église apostolique. Ce qui s'est passé là, le premier dimanche. Et voici ce qu'il m'a dit, ce qui était le premier tonnerre. Amen. La première chose qu'il m'a dit, que la paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils ne sont pas simplement sortis, ils étaient envoyés par Jésus-Christ. Maintenant, si tous ces ministres étaient envoyés par Jésus-Christ, vous n'auriez pas toute cette confusion. Mais ils sont sortis eux-mêmes. Et personne ne leur a demandé, ils sont sortis. Amen. Je vais laisser ça de côté. Frère Paul. Gloire à Dieu. Ils sont sortis eux-mêmes. Si vous partez simplement, alors c'est votre plan et c'est sous votre responsabilité. Mais si vous êtes envoyé comme les apôtres l'étaient, alors c'est Jésus-Christ qui est responsable de votre départ, de vos plans et de votre préparation. Amen. La deuxième chose à remarquer, c'est que le véritable service est basé sur le modèle établi par le Seigneur Jésus. Quel est ce modèle? Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, la même manière, la même vie, tout le même, signe, prodige et miracle, moi aussi je vous envoie. C'est le modèle. Amen. Amen.
Donc ils sont partis comme suit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes envoyés pas seulement pour le même but et de la même manière que Jésus-Christ, mais dans les mêmes conditions. La deuxième chose qu'il a faite là, il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Dans le livre COD, page 157, Frère Branham dit, c'était une promesse qu'il leur a donnée. Il a soufflé sur eux et sa promesse a dit, recevez le Saint-Esprit. C'était une promesse. Ils sont allés dans la chambre haute pour attendre que la promesse s'accomplisse. Vous avez attendu toutes ces années que la promesse s'accomplisse. Parce que Jésus-Christ, dans le prophète, a dit, vous recevrez la dynamique sur votre mécanique. Ainsi, il a soufflé sur vous. Et voilà ce qui vous garde. Vous sentez son souffle sur vous. Quelque chose de vivant qui vous oint, qui vous fait avancer. Pressez le pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est le souffle de Dieu. Ça vous rend vivant. Il les a équipés d'autorité pour lier et délier, Saint Jean 20, 23. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ainsi donc, vos péchés ont été remis sous la plénitude de l'expiation, l'inspiration des sept tonnerres. Amen. Il n'y a pas de péché lorsque l'expiation de sang est sur vous. Alléluia. Amen, frère Ricard, tu y es. Amen. Ok. Les amis, avez-vous reconnu votre message et son jour? Le message des sept sceaux vous a appelé pour être un ouvrier de la 11e heure. Comme Frère Robledo a dit hier soir, nous sommes maintenant dans l'apparition du Seigneur juste avant sa venue. Dans la religion du temps, dans l'évangélisation du temps de la fin, il a dit, en 62, la même chose aujourd'hui, quand vous voyez son œuvre, nous avons déjà vu, et nous sommes témoins de l'apparition du Seigneur. Quelle heure est-ce? C'était en 1946, le 7 mai, premier pôle, deuxième pôle, il était là, attendant son troisième pôle. C'était l'apparition du Seigneur. Amen. Maintenant, souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux mots différents. Apparaître et ensuite venir. Maintenant, c'est l'apparition. Il est déjà apparu ces derniers jours, ici avec nous, dans les dernières années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Son apparition était un signe qu'il allait venir. L'arche de Noé était un signe que la pluie allait venir. Il pleuvra. Les sept tonnerres donnent la foi. Malachi 4 est déjà venu comme signe qu'il va venir. Alléluia. Amen. J'avance bien ici. Vous avez saisi maintenant le signe. Comme Frère Robledo vous a parlé du signe, vous indiquant la Gloryville, la ville de la gloire, nous circulons, nous attendons de voir un signe, et tout à coup, vous n'arrêtez pas la voiture. Gloire à Dieu, un signe, avec des fleurs, là autour du signe. Alléluia. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous voyez un signe qui vous indique le chemin. Allez-y. Amen. Amen. Okay.
Un signe ne fait que de faire son travail. Maintenant, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Quand il apparaît dans son peuple, son esprit agissant au milieu d'eux, prouvant que c'est lui avec eux, préparant pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur, pour saisir, enlever l'épouse. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui, parce que les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, c'est l'apparition du Seigneur, l'apparition et la venue. Nous arrivons dans cette troisième phase. Aucun ministre ne peut faire ces choses que vous allez voir. Alors vous saurez que c'est le Seigneur Jésus en train d'apparaître. La troisième phase, partie A, à Bethléem, la parole, la parole, la parole. Amen. Amen. Okay. Dans Persévérance, Southern Pines. Il parle de l'apparition et la venue. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît au milieu de son peuple. Nous voyons ces mêmes œuvres apparaître. Mais sa venue sera un être physique. Et ce sera pour enlever l'Église. Mais nous voyons, nous avons traversé la parole, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, l'Église entre dans une telle condition, étant prête, attendant, les offices de l'Église arrivent à leur place. Les docteurs prennent se placent, les dons se manifestent eux-mêmes, et quand ceci arrive, que ferons-nous de Jésus appelé le Christ? Page 29, il a dit, juste avant la résurrection, il donne à son épouse ses dons d'amour, la dynamique sur la mécanique. Il y a eu beaucoup de frères ici, fidèles, faisant l'œuvre d'un évangéliste, d'un pasteur, ou quoi d'autre, d'enseignant. Mais il doit donner ses dons d'amour. Et le don est le Saint-Esprit sous la forme d'un ange. Un esprit administrateur, un esprit en service. Oui, le don, c'est le Saint-Esprit, sous la forme d'un ange, qui est venu au prophète, et qui marchait là, sur le sol. C'était le don de guérison. C'est lui qui guérissait les gens. Il montrait son poignet. Ça, c'était pour Jeannès et Jambres. Mais une voix était là, et lui disait ce qui n'allait pas. Amen. Et dans le deuxième pôle, ne voyez-vous pas cette lumière-là? Ainsi, la lumière guérissait cela, et il répondait. De même, la lumière sera ici pour vous guérir, pour vous sceller, alors que vous allez répondre. Alléluia. OK. Dieu a un chemin pourvu. Mais c'est passé au-dessus de votre tête, vous n'avez pas remarqué. Même les disciples ont dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il a dit à la page 59, Dieu caché dans la simplicité, une voix dira, il est déjà venu, et vous ne le savez pas. La première chose, un message fanatique va passer près de vous, et il continue de regarder aux alentours, et c'est déjà passé. Ça a passé au-dessus de votre tête. Vous n'allez pas le réaliser, ne le manquez pas. Le Saint-Esprit, Christ est ici. Souvenez-vous de ces deux mots avant que je vous quitte. L'apparition de Christ et la venue de Christ sont deux choses différentes. Christ est en train d'apparaître maintenant dans la plénitude de sa puissance. Sa venue sera après. Son apparition avant sa venue. Je pense que c'est vraiment, que le clou est vraiment enfoncé maintenant. Nous savons ce que c'est.
Ainsi, nous savons que le premier pôle, c'était l'ange du Seigneur. Le deuxième pôle, l'ange du Seigneur. Le troisième pôle, le Seigneur Jésus est descendu lui-même dans le prophète, le Fils de l'homme, 1 Thessaloniciens 4:16. Et il a promis d'apparaître dans son épouse comme étant l'intelligence. Alléluia. Amen. Ce qui est la pensée de Christ, le cri, Jésus apparaît, la voix de l'archange, Jésus apparaît. Une question, la charité est-elle la voix de l'archange? Voulez-vous dire, après avoir gravi, ajouté, alors la charité me scelle et ce sera la voix de l'archange? Et voilà ce qu'il a dit. Sa voix sera dans l'épouse, comme à la Pentecôte. La voix finale, dans l'âge final, l'Esprit sera sur l'épouse, disant, viens, quiconque veut qu'il vienne, quiconque a soif qu'il vienne, et ils ne le sauront même pas. Si Satan ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu dans le désert, qu'est-ce qui vous fait penser que quand vous aurez cette grande onction et cette puissance-là, qu'ils vont vous croire? Où sera-t-il? Dans tous ces membres d'Église? Très bien maintenant, vous avez saisi? Ok, voilà à quoi vous allez faire face, et j'en sais un petit peu. Ok, vous pouvez vous asseoir, aussi longtemps que vous le sachiez. Ainsi, la trompette de Dieu, la venue du Seigneur, la dernière trompette, la trompette de Dieu, la septième trompette, Jésus apparaîtra, il viendra. Très bien maintenant, l'intelligence, la tête, et le gouvernement sera sur quoi? Ésaïe 9:6, sur les épaules. Ok, l'intelligence sera sur les épaules. Dans le signe de sa venue, Cleveland, Tennessee, 1962. Qu'était-ce? C'était un corps en train de grandir depuis les pieds, montant, et des parties importantes du corps, là, depuis les pieds, les poumons, et le cœur, jusqu'à la tête. Qui est la tête? Qui est la tête? Christ! C'est l'intelligence. Très bien. Comment le corps bouge-t-il? Par la tête. Est-ce que le corps a bougé depuis 36 ans? Il ne peut pas bouger nulle part. Il faut l'intelligence pour qu'il bouge. Faire deux choses, pour le faire agir. Alléluia. Pour le faire chasser les démons, pour le faire guérir les malades. Pour le faire, ressusciter les morts. Nous attendons la tête. Et je suis en train d'identifier la tête, d'identifier l'intelligence, ici, aujourd'hui. Voilà ce qui se passe maintenant même. Faites vous asseoir. Qui est la tête? Christ. C'est l'intelligence. Comment le corps bouge-t-il? Par la tête. Et le gouvernement sera sur quoi? Et l'assemblée répond, les épaules. Que sont ses épaules? C'est son corps. Regardez maintenant. Il vient sur les épaules. Voilà où la véritable Église parlera dans sa puissance. Voilà où la puissance apostolique reviendra dans l'Église, lorsque le gouvernement sera sur ses épaules, le jugement. Il vient une véritable Église. Je crois, j'essaie de faire ma portion pour la présenter. Et ici, en Pennsylvanie, à New York, je fais ma part. Voilà pourquoi je suis ici, étant malade, épuisé. Mais j'essaie de faire ma part. Et tout ce que vous devez faire, c'est de venir à l'heure, c'est d'adorer, de louer, et de pardonner votre frère. Alléluia. Amen. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Christ l'intelligence. Oh, j'avance bien. Je ne pensais pas arriver là. Christ révélé dans sa propre parole, page 19,
Il parle des pieds et de la semence, Wesley, etc. Et maintenant, c'est dans les yeux, le prophétique, Malachi 4, etc. Et maintenant, il ne reste rien à venir. Et ceci, c'était en 65. C'est sa promesse pour vous. Il ne reste rien, si ce n'est lui, lui-même, et qu'il entre là. Vous savez, entrer dans le corps, prendre le livre et le placer dans le livre, et commencer à appeler les noms. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Oh, amen. Ce sera totalement bouleversant. Ça, je vous le dis. Entrez là, parce que c'est la dernière chose. Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence. Nous n'avons pas d'intelligence de nous-mêmes. C'est la sienne, voyez-vous. Nous n'avons pas de vue nous-mêmes. Comment un homme peut-il voir les choses à l'avance? Il ne peut pas. C'est Dieu lui-même. On arrive à un endroit où il gouverne tout le corps. Alors le corps complet de Christ sera révélé sous la forme d'une épouse, là, prise de son côté, comme Adam au commencement. Comme Adam au commencement. À la page 39, remarquez la lumière. Vous ne pouvez pas voir avec les mains. Et cependant, c'est une partie de votre corps. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles. Et ils peuvent entendre. Vous ne pouvez pas voir avec le nez. Ils peuvent sentir. Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres. Ils peuvent parler. Oui. C'était l'âge pentecôtiste. Mais maintenant, c'est le temps de l'œil, la vue. Maintenant, il n'y a pas une seule faculté qui bouge au-delà des yeux. Est-ce correct? Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence, ce qui est Christ lui-même, qui contrôle le corps entier. Il n'y a pas rien qui bouge au-delà de cela. Tout le reste s'est déplacé. Maintenant, ce matin, connaissez-vous votre promesse? Vous savez ce que vous cherchez? Alors le message atteint son but. Il va amener la présence de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera la deuxième identification de la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16. Souvenez-vous, Jésus fait les trois pour faire de vous les représentants de Dieu sur cette terre, en cette heure. Ce sera 5 Jean 14, 12. La parole et l'esprit. Dans la parole par l'espace originel, page 42. Très bien. Ainsi, les croyants de la parole et de l'esprit doivent être un. Vous avez saisi? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Ce n'est pas votre propre pensée. Vous n'utilisez pas votre propre esprit. N'est-ce pas merveilleux? La pensée qui est en Christ est en vous. La pensée qui est en Christ est en vous, voyez-vous? Il faudra la parole. Comme il l'a fait, parce qu'il était la parole. Ce sera de retour à la Bible. Eh bien, je pense, frère Coleman, prenez la parole, voulez-vous? Je pense. Eh bien, ne pensez pas. Vous n'avez pas de pensée. Je pense. Là, vous avez vos pensées dans la Pentecôte, mais pas ici dans la parole. Toute la pensée depuis 36 ans. Mais ceci, c'est Christ, l'Esprit. Amen. Il n'agira que par la parole. Saint Jean 16, il prendra de ce qui est à moi et il vous le révélera et il vous le montrera. De ce qui est à lui, la parole révélée, la parole parlée, il vous le montrera. Et vous n'allez pas, vous n'allez avancer que par cela. Amen. Alléluia. Vous asseoir. La pensée qui était en Christ, en vous, prendra la parole, tout comme il l'a fait, parce qu'il était la parole. Et la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole.
Voilà ce que vous êtes. Et ce que vous serez. Vous êtes la parole vivante de Dieu, des représentants de lui, ici sur la terre. C'est juste. Continuant son œuvre. L'Église devrait être ainsi. Et alors, la Bible est manifestée à nouveau, comme dans les premiers jours des disciples. Comme les disciples. Quand ceci arrive-t-il? Lorsque l'œuvre est continuée, de l'Église primitive de Christ en vous. Alors, la Bible, à nouveau, est manifestée. Amen. Comme dans les premiers jours, la Bible vit à nouveau en vous. Alléluia. Alors, j'y suis presque. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons saisi maintenant les amis. Pouvez-vous imaginer, vous êtes un représentant vivant? Vous? Moi? Toi? Gloire à Dieu. Amen, frère Bobby. Ce sera quelque chose de bon, frère Bobby. Un représentant vivant de Dieu sur cette terre, oui. Toi, avec Dieu, rien n'est impossible. Oh, il vient de saisir la foi maintenant. Il croit vraiment qui il est. Pourquoi crois-tu que Dieu t'ait appelé? Tu pourrais te taper la tête avec les conducteurs de camions, mais il t'a appelé ici. Allons, frère, crois-le. Frère Bobby, cesse de t'amoindrir, frère. N'oublie pas ça, frère. Gloire. Ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ils disent toutes sortes de choses à mon sujet, mais je sais qui je suis. Je vis sur le rivage. Gloire à Dieu. Je viens de Dieu. Et je retourne à Dieu. Cessez de vous amoindrir. Alléluia. Soyez forts. Soyez audacieux. Je suis un fils du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Voilà ce que vous êtes. Amen. You will do it. Amen. Vous allez le faire. Ok. Recognize your day. Reconnaissez votre jour. Reconnaissez votre message. Vous tous ici. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ne vous amoindrissez pas. Vous êtes quelqu'un. Dieu est allé vous chercher. Il vous a mis ici. Et il est prêt à vous remplir de sa présence. Mettre sa pensée en vous. Amen. Oh, merveilleux. Wonderful, wonderful words of Jesus. Merveilleuse parole de Jésus. Glory. Gloire. Amen, frère. Yes, sir. Recognize your day. Reconnaissez votre jour. Okay. Maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Praise God. God be praised. Que Dieu soit loué. Amen. That's the devil's job to keep c'est le travail du diable de vous garder déprimé, mais c'est mon travail de vous dire qui vous êtes. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que je prêche ici, les amis, vous tous ici. Vous êtes les fils et filles de Dieu. Amen. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous étiez, vous appelez ici pour une raison. Je restaurerai, dit le Seigneur, comme c'était au commencement. Amen. Alléluia. Glory. Amen. 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 Keep praising now. Continuez à le louer maintenant. Saldrá de allí. Coming here. Entrará aquí. Amen. Amen. Amen, Pete. Okay. Oh, you're a wonderful audience. Ah, vous êtes une audience merveilleuse. Gloire à Dieu. Amen. Avance. Alabanza. Amen. Glory. You may be seated. Oh, hallelujah. Glory. Amen. What a shout, amen. Quel cri!
Okay, church age book. Dans le livre des âges de l'Église, à la page 15. Now remember this. Maintenant, souvenez-vous. Christ in the true church. Dans la véritable Église est une continuation du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse montre comment l'esprit antichrist viendra dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Est-ce qu'il l'a fait? Certainement. Partout dans le message. Sans puissance, formaliste, il n'y a rien. Des cérémonies, c'est juste. Et voilà, c'est ce qu'il a fait pendant 36 ans. Mais maintenant, la révélation dévoile Satan, révèle ses œuvres, ses tentatives, regardez, ses tentatives pour détruire le peuple de Dieu et discréditer la parole de Dieu. Juste au temps où il sera jeté dans les temps de feu. Il combat cela. Il ne peut pas supporter. Maintenant, voici pour vous ici aujourd'hui. Écoutez. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et ce qu'elle est, je vous le dis aujourd'hui, ce que vous êtes. Mon Dieu, voici ce que vous êtes. Vous savez, si tu peux recevoir ceci, frère Bobby, qui tu es, peu importe ce qui traverse ton esprit, je ne parle pas de ça. Les choses qui traversent mon esprit, oubliez ça. J'ai prêché de cette tonnerre, frère Homer, et le diable qui dit, oh toi, menteur, de quoi parles-tu? Voilà ce que le diable me dit. Amen. Mais je n'écoute pas ça. Sept tonnerres, sept voix, sept âges de l'Église. Tais-toi, Satan. Amen. Amen, Fernando. Donc juste ici maintenant, dans la maison de Bethel, s'ils peuvent recevoir la véritable révélation de la véritable Église, ce qu'elle est. Alléluia. Et ce pourquoi vous prenez position et qu'elle peut faire les plus grandes œuvres. Si vous pouvez voir ceci, dans cette petite saison ici, alors ils seront une armée invincible. Ils seront dans Éphésiens 6, tirant leurs épées avec la cuirasse et se tenant là pour conquérir. Et après avoir tout fait, tenez ferme. Allons, vous les démons. Allons, vous en voulez? Vous voulez goûter à l'épée? Oh, je pense que je suis de retour avec le bataillon, le 761e bataillon de tanks. Je ne suis pas dans ce bataillon, frère. Je parle des anges. Des anges qui font des choses. Je ne parle pas des anges qui sont là dans des... Je n'ai jamais entendu des anges dans différents âges. Nous sommes dans le même âge. Je ne parle pas d'un ange qui tue une vache, gloire à Dieu, et que le pauvre fermier qui dit, oh mon Dieu, il a tué une vache. Well, praise the Lord. Eh bien, gloire au Seigneur. Okay. Praise God. You may be seated. The mine is a cow. Oui, non, mais pas des vaches, des affaires au mur sec. Praise God. Okay. Nous parlons des plus grandes œuvres. Vous pouvez vous asseoir. Elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent la véritable révélation, voici ce dont je parle. Des deux esprits agissant dans le cadre de l'Église chrétienne. Saisissez cela maintenant. J'ai dit ça pour une raison. Deux esprits. Saint-Esprit, j'élèverai l'onction, là. Ceux qui sont sincères, sinon je les dévoilerai. Alléluia. J'ai cela écrit. Oui. Donc, si vous recevez la véritable révélation des deux esprits dans le cadre de l'Église chrétienne et par l'Esprit de Dieu, qui vient vers vous, si vous pouvez discerner et résister à l'esprit antichrist, Satan
sera impuissant devant elle. Il sera définitivement contrecarré aujourd'hui, tout comme Christ a résisté à tous ses efforts d'avoir la puissance sur lui dans le désert. Vous comprenez maintenant? Là où vous allez? Dans le désert. Il est écrit. Il est écrit. Si vous faites cela, Satan n'aura aucune puissance sur vous. Prenez cette parole. Prenez position avec elle. Amen, frère Jake. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et donne la louange à Dieu. Glory to God. Glory God be praised. Dieu, que Dieu soit loué. Hallelujah. Amen. Believe it, brother Jake. Crois-le, frère Jake. Amen. So you know where you're going. Ainsi vous savez où vous allez. Vous allez avec la parole dans le désert. Pouvez vous asseoir. Yes, sir. Yes, Satan. Oui, Satan déteste la révélation, mais nous l'aimons. Avec la véritable révélation dans nos vies, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre nous, mais nous prévaudrons contre elles. Mais prévaloir contre ces démons qui, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. C'est la parole. Qui est ta semence? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous possédera chaque porte. Il va arracher les portes là, en route vers la résurrection, dans le troisième exode, arrachant les portes. Le temps, gloire à Dieu. C'est le temps d'arracher toutes ces portes. Amen, brother Mitchell. Amen, frère Mitchell. Amen. Be seated. May God begin. Que Dieu continue par son esprit. Seigneur, commence ici aujourd'hui de nous donner continuellement la vie et une révélation qui prévaut. Oh, si l'Église pouvait recevoir une fraîche révélation et en devenant par elle la parole vivante manifestée, nous ferions les œuvres plus grandes et nous glorifierions Dieu notre Père dans le ciel. Amen. Donc je vais reprendre ceci, entrer dans l'esprit à Chicago. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Alors vous voyez, pour faire les plus grandes œuvres, Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit parce qu'il n'était pas encore venu. Ce sont les plus grandes œuvres, certainement. L'Église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit. Jésus l'a dit au commencement. Il a dit que cela venait. Mais l'Église l'a et nous l'avons. Donc c'était plus grand, c'est vrai. Ainsi nous prêchons les œuvres plus grandes. Eh bien, gloire à Dieu, tout le monde se sent bien. Amen. Gloire. Nous préparons à terminer maintenant. Dans quel jour vivons-nous? Nous vivons dans l'âge révélé, l'âge du cancer. La 11e maison du zodiaque. Vous savez où vous êtes? Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. 11-11. OK. Nous savons ce qui est arrivé en 1917, 11-11. La Première Guerre mondiale fut arrêtée. Et personne ne sait qui l'a arrêté. C'est Dieu qui l'a arrêté. Parce qu'il n'avait pas encore scellé Israël. Qu'en est-il de vous et moi avant Israël? Et pourquoi il l'a arrêté? Qu'est-il arrivé le 11 septembre, de l'autre côté? Il a parlé ces choses ici pour nous sceller. Amen. OK. Ainsi, vous devez avoir votre 11e maison, ce qui est l'âge du cancer, les poissons croisés, et vous devez avoir vos 6 et 9 ensemble, et alors vous avez le cancer, la révélation. Et cela est arrivé avec frère Seymour, la rue Azusa, le 6 avril, le 9 avril 1906. Malachi 4 est né.
le 6 avril 1909. Est-ce correct? Ainsi, nous voyons la 6 et 9. Est-ce que je vous en dis davantage? Je pense que vous savez. 18 ans plus tard, le 27 juin 1927. OK, est-ce que je vous en dis davantage? Vous savez plus, n'est-ce pas? 6 et 9. OK. 27 juin 1927. Ainsi, nous vivons dans les derniers jours au sommet de la pyramide, les poissons croisés, c'est l'âge du cancer dans le zodiaque, au temps de la venue de Léo le lion, la pierre de couronnement, au jour de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Vous voyez où nous vivons? Nous sommes juste au temps de la fin. Revêtez toute l'armure de Dieu. Comment le zodiaque commence-t-il? La Vierge. Avec quoi se termine-t-il? Léo le lion. La première venue de Christ et la deuxième venue de Christ. Et nous sommes maintenant dans les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer, parfait. Et que fait-il? Il n'y a pas d'autre âge à venir. Il prend cette église pentecôtiste et il en fait sortir les élus et il les taille lorsque viendra la pierre fêtière. Nous devrons être comme le reste, la stature de l'homme parfait. À la page 45, il parlait des sept vertus, ajoutez. Alors, maintenant vous arrivez. Ensuite, ajoutez la charité, qui est l'amour. C'est la pierre de couronnement. La charité, l'amour, est la pierre de fête, qui vient sur vos sept vertus qui ont été ajoutées. Et ce qui va commencer? Hein? Vous croyez? Vous êtes engourdi? Vous ne pouvez pas le faire. Je vais faire quoi? Nous ne parlons pas de vous, nous parlons de la parole en vous. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. C'est la pierre de couronnement. L'un de ses jours dans l'église, alors il nous dit, je n'enseigne pas ceci comme une doctrine, mais ce que je vais dire maintenant, je veux simplement vous montrer, par l'aide de Dieu, ce que c'est réellement, que la première Bible que Dieu ait écrite soit le zodiaque dans les cieux. Ça commence avec la Vierge, ça se termine avec Léo le lion. Maintenant, écoutez. Voilà où il le manque tous, Léo le lion. Et quand j'aurai, c'était en 62, quand j'entrerai dans ce sixième et septième sceau, donc il sait ce qu'il allait faire. Il va découvrir quand cet autre sceau fut ouvert, le zodiaque marquant en cet endroit, c'était le cancer, les poissons croisés. Donc il en mentionne deux ici, 6 et 7. Et il dit, cet autre sceau, c'était le cancer. Les poissons croisés. C'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant, révélé. L'âge du cancer le saisit. 6 et 9. Et la chose suivante que le sceau a brisé, il a révélé. Il a révélé Léo le lion. La deuxième venue de Christ. Il vient tout d'abord par la Vierge, il vient ensuite Léo le lion. Les amis, voici le sixième sceau et voici le septième sceau. Et ils attendent. Le sixième sceau, c'est le jugement, est-ce correct? Période de tribulation, tout, les 144 000. Le septième sceau, et il a dit, il a regardé, et il en a vu un volet, les sept tonnerres qui ont retenti. Il a dit, stop, tu ne peux pas aller plus loin, est-ce correct? Il a regardé à nouveau, et c'était en langue inconnue, ainsi en train de parler. Il a dit, mais je vais parler, et j'ai parlé, et je vais parler d'un volet, les sept tonnerres qui retentissent. Il en a parlé.
Ainsi donc, le septième sceau, le sixième sceau, un jugement de 3 ans et demi. Donc ce qu'il a fait, il a glissé ici et il vous a fait sortir. Vous le voyez maintenant? Pour vous préparer le temps de nettoyer les lampes. Et tout à coup, voici le sixième sceau, mais vous êtes parti. Est-ce que vous comprenez ce qu'il en est? Voyez-vous la grâce de Dieu? Et j'ai dit, pourquoi moi? 6 milliards de gens sur la terre. Qu'est-ce que je fais ici, frère Luke? 6 milliards de gens. Qui sommes-nous? Nous devrions être tellement heureux. Nous devrions remercier Dieu et le louer. Je ne sais pas. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Pouvez vous asseoir. Voilà là. Oh, gloire. Amen. Glory. Gloire à Dieu. Ainsi, vous avez la première Bible, le Zodiac, la deuxième Bible, la pyramide, la troisième Bible, la parole. Et quand révèle-t-il? Le cancer, révélé, les poissons croisés. Tournez-le, ça semble comme 6 et 9. Ok, nous l'avons saisi. Vous pouvez vous asseoir. Le sixième, le septième sceau, l'âge du cancer, l'âge révélé, l'appel de son épouse, la scellée, jusqu'en haut, juste avant Léo le lion, le sixième sceau. Les sept sceaux, les mystères des sept tonnerres, ont révélé l'Église dans l'âge du cancer. Et l'âge du cancer, les poissons croisés, 6 et 9, appelle les ouvriers de la 11e heure à sortir là pour le même denier, pour le même penny. Là, dans la 11e maison du Zodiac, l'âge du cancer révélé. Et voilà ce que vous faites ici. Reconnaissez-vous votre heure? Christ, le septième sceau, se glisse ici dans l'âge du cancer, dans la 11e maison du Zodiac, pour faire sortir son épouse. Amen. Aujourd'hui, c'est très important pour moi, et voilà pourquoi il m'a envoyé ici, en ce jour, en 1974. Amen. Jésus, l'intelligence, la dynamique, l'onction vient sur son épouse pour l'amener à l'adoption. Voici l'onction dans Paradoxe, à Tampa, 1964. Maintenant, nous savons Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Jacob Grace, Joseph Perfection. Il n'y a rien contre lui, frère Bobby. La parole qui est en vous, la parole qui est en toi, il n'y a rien contre elle. Les gens peuvent trouver des failles avec toi et peut-être qu'ils n'aiment pas ton aspect, mais ça n'a rien à voir avec la parole. Ce n'est pas toi, c'est la semence. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a rien contre lui. C'est Dieu qui se fraye son chemin. Dieu a placé la foi là, frère Jake. Et alors il a ajouté à la foi, la vertu, la connaissance, se frayant son chemin, la tempérance, la patience, se frayant son chemin, la piété, l'affection fraternelle, se frayant son chemin. Amen. La charité, il est sorti. Là, en public, en train de marcher, de parler, une manifestation des fils de Dieu sur la terre. Il a déjà frayé son chemin. Alors qu'il puisse accomplir son œuvre en vous, ok? Relaxez-vous, je ne vais pas dire. Vous relaxez. Oui, mais il s'agit d'une question de vie ou de mort ici. Vous voyez, vous nagez, vous luttez. Mais vous vous relaxez, et celui, le maître nageur qui vient à votre secours, relaxez-vous, il va vous prendre sous le menton, il va vous ramener au rivage. Alléluia. Ainsi, ne soyez pas tout tendu. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Relaxez. Tout. Amen.
Okay, maybe seated. Tout excité et tout. Okay, here's what do now. Voilà ce qu'il doit faire maintenant. Il fait son chemin. Dieu se frayant son chemin. Et Dieu est la parole. Regardez. Luther, Wesley, la Pentecôte et la pierre de fête. Lorsque l'Église et la parole deviennent la même chose, exactement, parfaitement. Maintenant, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Christ, l'intelligence qui vient à son corps. Christ est la parole. Nous savons tous que l'onction est Christ qui vient sur la parole pour faire vivre la parole. Est-ce correct? C'est l'onction. Christ est l'onction. L'Esprit vient sur la parole. Il vivifie cette parole pour la faire vivre. La parole est dans votre cœur. Vous croyez un peu plus dans la guérison divine. Christ, l'onction, qui vient à son corps. Voyez-vous la connexion? Comme le mari et la femme, qui deviennent un. Maintenant, l'Église doit entrer dans ce ministère au point où l'Église et Christ deviennent un. Il pourra vous oindre pour chaque bénédiction qui est dans la Bible lorsque vous devenez un. Oh, gloire à Dieu. Tout ceci est à vous. Tout ce qui est promis pour cet âge est à vous. C'est à vous. C'est à vous. À toi. Ça vous appartient. C'est à moi. Je m'en empare. Alléluia. Tout dans cet âge promis est à vous. Mais si nous laissons quelque chose dehors, alors il ne peut pas le oindre. L'onction frappe cela. Maintenant, la colonne de feu est identifiée scientifiquement et par la réaction, par son caractère, tout le reste, exactement comme c'était lorsqu'elle demeurait dans le corps du seul Fils engendré de Dieu. De même, elle demeure dans le corps de ses fils adoptés dans les derniers jours. Voulez-vous dire, la colonne de feu, Jésus, va demeurer dans mon corps, oui, la manifestation des fils de Dieu. Okay, crunch time now. Ok, nous y arrivons à la fin maintenant. Notre apogée. Bien, comment? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il va vous envoyer comme ouvrier de l'onzième heure dans la onzième maison du cancer, 6 et 9, l'âge révélé. Les amis, l'âge des appelés des sept sceaux est presque terminé. Et nous arrivons au temps de l'enlèvement. Et nous sommes sur la cible. Amen. L'intelligence, la dynamique. Nous y sommes, nous sommes prêts. Gloire. Le temps de l'enlèvement. On peut nous asseoir. Encore quelques citations, parce que je dois enseigner cela, ici, toucher ces points, ici dans question-réponse sur le Saint-Esprit, en 1959. Donc Jésus qui parle la parole ici, Jésus a dit, dites à cette montagne, c'est à Marc 11, et vous avez entendu ce qui est arrivé, il parle de parler la parole, c'est le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes en haut sur le chemin maintenant, bientôt la venue du Seigneur Jésus. Et nous devons avoir la foi pour l'enlèvement dans l'Église qui pourrait être changée en un moment, en un clin d'œil, pour s'en aller. Sinon, nous ne partirons pas. Ne vous inquiétez pas, ce sera là. Ce sera là. Et quand la puissance de cette Église s'élèvera, la puissance à New York City, quand elle s'élèvera, la puissance de cette Église, dans cette Église-là, elle amènera les frères. Elle amènera les sœurs. Elle vous élèvera. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, c'est la puissance qui va faire ça, frère Bobby. Crois simplement. Et remercie Dieu. Mais la puissance entre maintenant. Je dépose la semence pour que la puissance entre ici. Voilà pourquoi je suis ici. Je suis fatigué, épuisé, mais je dois enfoncer le clou parce que c'est là. Il ne vient pas, il est ici. Glory to God, but you gloire à Dieu, mais vous préparez, amen, frère Ben.
Amen. Amen. Hey. Alléluia. Oh, hallelujah. My power in the water. La puissance dans l'eau. Voilà là, quand la puissance de cette église ici, je parle de la Pennsylvanie ici, quand elle s'élèvera, elle amènera ses frères et les sœurs aussi. J'ai pas entendu ça, mais je le dis, je n'ajoute pas la parole. Gloire à Dieu, amen. Elle amènera ses frères, la puissance de cette église. Elle amènera ses frères, la puissance de cette église-là amènera les autres frères. Maintenant, remarquez, c'est très important. Vous devez connaître l'heure, le temps, la saison. On arrive au temps de l'enlèvement et la puissance entre par l'intelligence, par la dynamique. Dans quel but? Pour ramener les frères. Hein? Rien d'étrange. Pour moi, oui, sûr. Et après, que tous les frères soient amenés, alors, et seulement alors, il y aura une résurrection générale. Amen. Dans questions-réponses, le 23 décembre 59, et quand le peuple de Dieu commencera à se rassembler, il y aura l'unité, la puissance. Et vous savez, les sept tonnerres feront entendre leur voix à ce groupe qui se rassembleront. Là, oh oui, les semences là, oui. Il vous a pris comme les 120 dans la chambre haute. Mais il y en a 3000 qui attendent là. Est-ce que vous comprenez votre appel? Mon Dieu, votre maman est là, votre papa, votre frère, votre soeur. Le temps de la famille. Gloire à Dieu. Amen. Okay, maybe seated. Et alors, lorsque le peuple de Dieu commencera à se rassembler, il y aura l'unité, la puissance. Et lorsque le peuple de Dieu sera complètement rassemblé, je crois que la résurrection prendra place alors. Maintenant, regardez. Il y aura un temps de l'enlèvement où le Saint-Esprit commencera à nous rassembler. Qu'est-ce que ça veut dire? Le germe-semence du corps, le baptême du Saint-Esprit, le rassemblement. Vous comprenez? Sortir là, rassembler, frère Moïse, rassembler, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit va vous rassembler dans le temps de l'enlèvement. Oh, amen. Amen, frère Paul. N'est-ce pas quelque chose? Il y aura un temps de l'enlèvement lorsque le Saint-Esprit commencera à rassembler. Ce sera une minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. Ne vous y trompez pas, gloire à Dieu. Ce sera là. Gloire à Dieu. Ainsi donc, les sept tonnerres rassemblent l'épouse. Est-ce que le temps de l'appel est presque terminé? Est-ce que l'intelligence, Christ, la dynamique, prête à commencer le temps de l'enlèvement? Malachi 4 a dit que l'épouse attendrait la révélation de l'enlèvement dans ce temps de l'enlèvement pour lui donner la foi de l'enlèvement. C'est dans la bande d'enlèvement, à la page 14. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. Là, dans le temps du rassemblement. Pouvez-vous imaginer cela? L'enlèvement. Vous venez ici, la puissance de Dieu. Ils sentent l'onction. Là, à une distance. Oh, c'est arrivé à la rue Azusa. Ah, quatre rues. Là, ils sentaient la puissance de Dieu, ils les touchaient. Oh, vous ne savez pas ce qu'est la puissance de Dieu. Oh non. Agrandissez votre esprit. Praise God. Okay. You've been waiting for it. Vous l'avez attendu. It's to be revealed to her. Cela lui sera révélé. Où la révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement.
Maintenant, c'est une révélation. Car la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que ce soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. Vous imaginez Christ venant vers vous en vous disant, ceci est le temps, c'est la foi de l'enlèvement. Au temps de l'enlèvement. Et les autres n'en sauront rien. Oh là là, je peux à peine attendre ce temps-là. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Vous pouvez vous asseoir. Comme avec Abraham, qui pouvait appeler n'importe quoi de contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'étant pas. Quand Dieu vous révèle que c'est le temps de l'enlèvement, ils peuvent venir et vous raconter n'importe quoi. Taisez-vous, gloire à Dieu, c'est contraire. Dieu me l'a révélé. Ce sont des individus. C'est juste. Voilà comment ça s'est passé avec moi toutes ces années, en tant qu'individu. Je ne me souciais pas de ce qu'ils faisaient, ça ne faisait pas de différence pour moi. Je sais qui je suis, je sais comment je suis né, tout le reste, je sais qui je suis, gloire à Dieu. Amen, frère Paul, il appelle cela toute chose contraire. Maintenant, la foi. Voilà ce qu'est la foi. C'est une révélation de Dieu. L'Église est construite sur une révélation. Le corps entier. Page 37. Je pensais, oh mon Dieu, un jour il y aura un souffle du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les saints de l'Ancien Testament qui attendent là une explosion pour sortir de la premièrement et entrer dans la résurrection. Nous viendrons directement en ligne, là, en partant dans les cieux, et ces corps mortels seront changés, rendus semblables à son corps glorieux. Alors, cette parade va commencer là, vers le ciel, l'un de ces jours, où le temps de l'enlèvement sera là, devant nous. Nous entrons dans ce temps-là. Je suis ici pour vous indiquer cette heure. Oh là là. Amen. Et dans ce temps de l'enlèvement, montrant fièrement le sang de Jésus sur leur poitrine, le message de Dieu dans l'heure dans laquelle ils vivent. C'est l'heure. Nous nous réjouissons de cela. Croyez-vous cela, frère? Oh là là. Louange au Seigneur. Pouvez vous asseoir? Alors, reconnaître votre jour et son message. Je suis prêt à terminer ici maintenant. À la page 9, le message du septième ange doit ouvrir le mystère des sceaux. Qui est le mystère des sceaux? Jésus-Christ. Et si Christ vous révèle que votre nom est dans le livre, amen. C'est le mystère du septième sceau. Christ est le mystère, la parole. Amen. Et le mystère des sceaux, Jésus-Christ, appelant les ouvriers des gentils de l'onzième heure pour recevoir la même paye que les premiers ouvriers ont reçue. Jésus a enseigné cela. Il a dit qu'il y aura des gens venant au temps de la moisson, vous savez, qui ont été engagés. Et à la 11e heure, c'est la dernière heure du jour où quelqu'un vient et reçoit le même salaire qu'à la première heure du jour. C'est tellement parfait. Comment les messagers du premier âge, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. C'était un âge sombre. Luther, Wesley et les autres. Ils sont entrés. Et alors, il y a le message du temps du soir qui doit recevoir la même chose qu'au commencement. Le message du temps du soir est de restaurer, de ramener la même chose. Alors, dans sa vision de l'épouse en marche, à la page 11, il dit, l'épouse viendra à nouveau en prévu. C'est ainsi dit le Seigneur. Elle arrivera en prévu à nouveau. Il n'y a pas de doute à ce sujet.
L'épouse reviendra en prévu. Et l'épouse derrière elle, la même épouse qui était passée au commencement. Alors, mon cœur a bondi de joie de savoir qu'il y aurait une épouse formée de la même chose, revêtue de la même manière que celle qui était au commencement. Elle doit être appelée, et je sais que c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, alors toutes les visions que j'ai eues sont fausses. Cela s'accomplira, dit-il. Le croyez-vous? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'il va faire pour vous et pour moi. Amen. Gloire à notre Dieu, que Dieu soit loué. Ainsi nous voici. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie en cette heure avec la dynamique, la mécanique. Ô Église, avez-vous reconnu votre message, votre heure, votre temps, votre saison? Alors, donnez la gloire à Dieu. Ok, frère Bobby, vous pouvez vous asseoir. Voici votre promesse ici, vous pouvez vous asseoir. À la page 38, reconnaître votre jour et son heure. L'Église n'a pas reçu son jour comme Israël dans le pays promis. Elle continue maintenant. Et les forces nationales ont placé Israël dans sa patrie. Les forces nationales mettront les églises dans le Conseil mondial des églises. Écoute, frère Bobby. Mais la puissance de Dieu mettra les gens dans l'épouse. Ainsi cesse de t'inquiéter. La puissance de Dieu. Dieu t'a amené ici dans ce but spécifique. Il t'a amené ici. Il vous a amené de Porto Rico, de Floride, d'où que vous veniez. Dieu va vous sceller. Il sait ce qu'il fait. Il ne prend pas les puissants et tout cela, mais il prend des rien du tout. Et ceux-là sont quelqu'un. Amen. Amen. How sharp. Brother. Frère. Mais la puissance de Dieu amènera les frères, la dynamique. Dieu sait tout ce que vous faites. C'est lui qui vous a fait. Il sait exactement ce que vous allez faire cet après-midi. Cet après-midi, ce soir, demain, la semaine prochaine, il sait. Mais il a déjà mis une expiation de sang là. Vous ne devez pas vous inquiéter. Je sais que je ne vais pas m'inquiéter. Il m'a choisi. Bien sûr. Vous devez chanter cela. Vous devez le croire. Amen, frère Danny. Oui. Oui, croyez-le. Je le crois. Gloire à Dieu. Le monde tire par ici, essayant de vous forcer. Tous ces esprits là qui circulent. Le monde force par ici. Mais Dieu tire vers le haut. L'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. C'est ce qui mettra l'épouse à sa place. Parce qu'elle reconnaîtra sa position dans la parole, et alors elle sera en Christ. Il la mettra à sa place. Aucune force nationale ne le fera. Les forces nationales du Conseil des Églises conduiront toutes les organisations là. Mais la puissance de Dieu va élever une épouse dans la gloire. Oh, vous les gens, reconnaissez votre jour, comme Jésus vous a averti, le signe de Sodome et l'état de l'Église en ce jour. Alléluia. Les amis, écoutez, croyez-vous que c'était le message du roi? Ceci est le message du roi. Alors, reconnaissons-le, car nous sommes appelés à nous rassembler pour le son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4:16.
Vous êtes appelé pour ça. Reconnaissez-le. Trouvez-y votre gloire. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas avoir un aspect étrange et un manteau de fourrure et dire « Je suis appelé ». Non, gloire à Dieu. Marchez comme vous l'êtes d'ordinaire. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes appelés à nous rassembler. Pourquoi? Pour la troisième identification de la venue du Seigneur. La dernière trompette, la trompette de Dieu, la septième trompette. Et la septième trompette ramènera Moïse et Élie, ramènera les morts en Christ, et Élie va ressusciter, et les pentecôtistes, Luther, et Wesley, et tout le long, jusqu'à Adam. Alors viendront Moïse et Élie. Ça ne sera pas long. Gloire à Dieu. Amen. Okay, maybe seated. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous préparons l'intelligence pour la deuxième identification. Vous préparez pour la troisième, la trompette de Dieu, la dernière trompette, la résurrection. Maintenant, Jésus fait les trois. Le cri, Jésus, Fils de l'homme, la voix de l'archange, l'intelligence. Est-ce que la charité est la voix de l'archange? La trompette de Dieu, la résurrection. La trompette sonnera et il n'y aura plus de temps. Ainsi, nous reconnaissons notre temps. Maintenant, écoutez les amis, reconnaissez-vous la présence? Vous le devez, parce que lorsqu'il n'est pas reconnu, sa puissance toujours n'est pas révélée. Comprenez-vous? Comment pouvez-vous reconnaître sa présence? C'est lorsque la parole promise pour cet âge est manifestée. La parole promise pour cet âge. Et c'est déjà arrivé. Et cela va arriver. Si vous ne la reconnaissez pas et si vous ne répondez pas rapidement, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et Jésus aime cela. Lorsque Frère Branham m'a appelé, qu'il a parlé là, j'étais renversé. Je voulais toujours voir un homme qui avait le ainsi dit le Seigneur. Je voulais entendre quelqu'un dire cela. J'étais à la maison en disant ainsi dit le Seigneur, frère, oui. Avec tout ce qui était là, ainsi dit le Seigneur. Mais alors j'ai entendu le véritable. Là, c'était creux. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé à le louer. Et il continuait. Votre nom est Coleman, Monsieur Coleman. Et votre père, il continuait. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, vous pouvez m'entendre sur la bande. J'ai crié, je poussais des cris. Gloire à Dieu. C'en était fini de moi. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai répondu. Est-ce que vous saisissez? Répondez! Et à ce moment-là, il a dit, je vois des eaux. Je vois des eaux et une dame, elle vient d'Hollande, je crois. Mais l'endroit est entré en éruption, je pense. Que cela ouint tout le monde là. Tout l'endroit. Des années plus tard, le frère mondial Jeffersonville. Frère Coleman, je me souviens de ce jour-là. Ah oui, frère? Oui. C'était vraiment quelque chose. Alors j'ai dit, vous auriez dû être là. Oui. Ça vous aurait fait quelque chose. Alléluia. Ainsi, vous devez reconnaître sa présence qui sera ici, là, traversant cet endroit. Vous voyez? Alors, répondez. Amen. Et avancez avec cela. Amen. Ainsi, quand vous voyez la parole promise, les Éphésiens et toutes ces choses, la parole manifestée, promise pour cet âge, les amis, si vous pouvez reconnaître sa présence ici, maintenant même, cela va libérer la puissance pour ouvrir vos yeux, pour le reconnaître lui. Si vous pouvez le reconnaître aujourd'hui, cela va libérer pour vous la joie, la guérison, le scellement, le remplissage, tout. Oh là là, j'ai quelque chose ici.
Vous pouvez vous asseoir. C'est quand je suis revenu de Saint Thomas, j'avais eu le songe de l'agent de service secret. Vous avez la brochure Mange tout le rouleau, le 28 août 1974, à la page 14, il explique ce qu'est la 11e heure. Il m'en avait parlé là à Saint Thomas. Mais je sais que dans le songe, je n'étais pas sûr si j'allais parler ou si c'était l'agent de service secret qui allait parler. Enfin, Tony a dit que c'était seulement 71 minutes. J'ai toujours posé la question pourquoi. Du 8 septembre au 17 septembre, 8 et 71 jours, 8, c'est revenu à nouveau cette année, le 18 mars, 9, et le 27 mai ici, 27, 9, 71 jours, c'est revenu comme beaucoup d'autres fois. Je vous en parle. Et je me posais la question, c'est juste là. Et frère Tony a dit, ça ne faisait que 71 minutes. Dans le son, je suis entré là, et frère Bellomo ici, il s'en allait. Et j'ai dit, où? Et le Saint-Esprit a dit, laisse-le tranquille, je vais m'en occuper. Amen. J'ai un travail pour lui. Je vais prendre soin de lui. Amen. Oui, tu es prêt. Où vas-tu? Amen. Reviens à l'intérieur ici, gloire à Dieu. Je n'ai pas encore terminé. Donc, frère Tony de Mayo, là, il parlait et les gens se levaient. Mais où allez-vous? Vous savez, à Brooklyn. Où allez-vous? Et alors il dit, ça ne fait que 71 minutes. Alors je suis entré et je n'étais pas sûr si j'étais censé parler ou si cette personne qui était là, si c'était lui qui était censé parler. Ainsi, voici ce qu'il a dit. Et frère Tony a dit, ça ne fait que 71 minutes. Alors le Saint-Esprit m'a parlé et il a dit, cela fait une heure et 11 minutes. Il a dit, ceci est la fin. C'est une heure. J'ai réalisé qu'il m'a mis dans les Écritures qu'à 5 heures le soir, l'homme était parti pour engager des gens là, au marché. C'était environ 5 heures et il les a mis au travail à 5 heures, une heure avant le coucher du soleil. C'était la 11e heure. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, il a dit, ceci est la 11e heure. C'est le temps pour que les ouvriers de la 11e heure reçoivent leur récompense. Tout est terminé, les amis. Juste un temps court, la puissance de Dieu va frapper l'Église. Et l'Église va partir à la maison, je le crois de tout mon cœur. En 1974, et nous voici aujourd'hui, et la puissance de Dieu est prête à frapper ce lieu. Vous avez saisi maintenant 71 minutes, 1 heure et 11 minutes pour les ouvriers de la 11e heure, juste avant 6 heures. L'Évangile sort dans sa puissance. Le message et le messager sont un. La parole est dans l'Église, dans la personne. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec quoi? La même puissance, les mêmes signes, les mêmes prodiges, tous les mêmes. Pourquoi? Pour identifier l'intelligence qui est ici, pour la deuxième identification de la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Oh, j'ai envie de m'envoler! Je m'envolerai! You ready to fly away? Vous êtes prêts à vous envoler? Amen. Amen. Believers are this. Croyez-vous ceci? Pray for me. Priez pour moi. I made it, mama. J'y suis arrivé, maman. Gloire à Dieu. I didn't think I'd make it. Je ne pensais pas y arriver. Mais mon Dieu, vos prières. J'y suis. Et j'espère revenir ici. Amen. Dans quelques semaines. Pour avoir communion avec vous à nouveau. Oh, je m'envolerai. Vous sentez bien? Vous voulez crier un petit peu? Alléluia! Alléluia! My, 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 my. Voilà là!
C'était merveilleux, les amis, d'être avec vous. Et je reviendrai, Dieu voulant, vous revoir, je l'espère. J'espère vous revoir. I ain't no old man. Yo no soy viejo. Come on, brother.